une petite surprise, bien sûr, comme d'habitude. Je vous demande d'accueillir deux petits personnages que vous connaissez probablement bien. Bon, l'exploratrice, je ne sais pas. Au boulot. Amtaro ! Bonjour Diego. Ouais Dora, je sais qu'on a normalement pas ces voix comme ça, mais bon, en réalité, on est un peu inversé en fait. Ah, Dora, je vais te faire découvrir un nouveau monde. Le monde du cosplay. Diego, c'est quoi le cosplay? Cher public, pour aider Dora, pointez le doigt vers le présentateur et faites activate à 3. Tous ensemble. 1, 2, 3. Activate! Aïe. Alors, le cosplay, je l'harcèle un peu. Le cosplay est un mot valise composé des mots anglais, costumes, playing, sous-culture japonaise et c'est bien mal dans le rôle de ces personnages. Des personnages en imitant leurs costumes, leurs cheveux et leur maquillage. On appelle les pratiquants des cosplayers. Très courante au Japon, cette pratique n'est pas rare aux États-Unis ou en Europe lors des conventions et autres festivals de manga et de science-fiction. Cette pratique est aux États-Unis. Aujourd'hui, originellement, par les fans de Star Trek et de Star Wars qui se costument en personnage pour la suite de films, mais a connu très grande expression au pays, au Japon, pays organisé désormais de Wars Cosplay Summit. Source Wikipédia. Diego, je crois que j'ai parfaitement compris ce qu'il vient de dire. Oh oui, Dora, c'était vraiment génial. Et je pense que ça va beaucoup nous plaire. Allez, pour lancer le cosplay, cher public, on va rappeler le doigt. On va rappeler le doigt. Il faut activer pour lancer le cosplay. Et à trois, public, on dit tous activate. Un, deux, trois. Mais c'est quoi ce bordel? Et qu'est-ce que fout ces deux mioches là sur la scène? Oh, allez hop, allez hop, allez hop, on dégage là, allez hop, cassez-vous là, cassez-vous là, qu'est-ce que c'est ce bordel là? Voilà, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Casse-toi, toi. C'est qu'est-ce que ça raconte en plus? Ah. C'est pas possible ça, non mais. La prochaine fois on inverse hein. C'est pour ça que je voulais rester en voix off, c'est tout. Merci. Je savais ce qui allait t'attendre en fait. Aïe. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va toujours? Depuis 2 secondes. Alors ce qui est bien, c'est que en fait, le soleil s'en va et revient, il fait pas encore trop chaud, et surtout, il n'a pas plu. Je tiens à vous dire que la légende s'est perpétuée, il a juste plu quelques gouttes hier, mais voilà. Et puis, comme d'habitude, passe entre les gouttes. Ça doit faire maintenant 3 ans qu'il n'a pas plu, 2-3 ans qu'il n'a pas plu. On peut s'en servir comme baseline. On peut les conventions qui passent entre les gouttes. Voilà, exactement, on se sert de baseline, exactement. Seulement pour le cosplay. Seulement pour le cosplay. Tout à fait. Alors, aujourd'hui, c'est le cosplay groupe. Oui. Il y en a un qui suit. Oui. Merci. Merci. Merci de nous autoriser. On parle pas pour rien. Tout le monde est d'accord pour avoir un cosplay groupe aujourd'hui? C'est bien, c'est bien. C'est flex, hein. Vous aurez aujourd'hui il a le droit de monter là-haut. Une vingtaine de groupes, un peu moins d'une vingtaine de groupes présents. Apparemment, il a demandé. Avec plein de trucs à l'intérieur, bien sûr, avec plein de cosplayers que vous allez encourager. Ah, il y a Omaru qui va aussi. C'est pas chaud aujourd'hui, je trouve. Attends. Ils ont un peu cuit, là. Omaru, il a l'air un peu cuit, là. C'est pour ça, en fait. Ils sont un peu tiédasses encore. Ah, avec okay. La steady, tu sais. Bien sûr, comme d'habitude, on commence toujours par poser la question habituelle. Ça va, les mecs? Et comme d'hab, c'est toujours moi qui me tape les filles. Oui, c'est normal. Enfin, dans l'annonce. Est-ce que ça va les filles? Putain, deux timbres en moins. On va
prendre des fréquences illégales. Parce que c'est plus possible. Je crois que l'armée aussi a perdu des oreilles dans les fréquences aiguës. Tout à fait. Tu commences, je commence, nous commençons. Vas-y, commence. Merci. Tiens les gars, ouais super. Notre premier groupe que vous allez adorer, je le sais d'avance. Ah oui.